Bah écoutez, on est parti pour le temple. Hop. Il y a un emplacement vide sur cette statue. Le gamin trop smart. Oui. Bah tellement, même moi, alors que j'avais fait le jeu, je m'en rappelais plus. Mais oui, on peut, bah, faire des économies, quoi. Des économies de place, c'est important. Ok. Ah, vous voyez le petit lézard là qu'on a vu? Bah, si on le tape, bah, on va obtenir cette fameuse viande mystère en fait. Bon, il y a des petits ossements apparemment. On peut récupérer un petit peu de sous. Hop. Ici aussi. Ok, en vrai, je fais bien. Vraiment, l'argent, ça va être très important dans le jeu, hein. Rien n'est laissé au hasard dans le jeu, c'est vraiment ouf. Hop là, ok. Ah, ici, il y a quelque chose. Ah, bah on a obtenu une perle Anuri. Et du coup, bah on en déduit que cette perle... Oh, le lézard ici, attendez. Ah, oh, oui, c'est bon. Viande mystère, nice, ok, je suis content. On a vu le petit lézard et on a récupéré une petite viande. Ok. Alors là, on est à 9 emplacements en fait. Mais c'est parce que ça, c'est un objet de quête. Donc ça compte pas. Normalement, on est limité à 8, mais voilà. Mais ouais, je pense que la prochaine fois, je mettrai le chat à droite. Et même ma cam à droite. Vu que c'est quand même assez important, je dirais, de. Ouais. Ça encombrera moins. Peut-être que je rétrécirai encore un tout petit peu. Même si en vrai, là, c'est pas mal. Hein. On est pas mal. Vous insérez la perle Anuri. Et voilà, on peut passer. Et là... Bah, le premier donjon, j'ai envie de dire. Enfin, le premier donjon. À voir. Mais c'est un temple, en tout cas. Important de voir le menu blindé de viande pas cuite. Ah là 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 là. Ah, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Ah! Ah, donc ouais, ici, bah, on peut sauvegarder et cuisiner. Bah, on va cuisiner, tiens. On va la faire cuire, cette viande. Donc, bah, le bois est ici et hop. Attendez. Ouais, on va équiper comme ça la viande mystère. Et du coup, hop là. Voulez-vous faire cuire viande mystère? Oui. Alors je crois que c'est assez difficile à faire cuire. Ah oui, ça va vite. C'est bon, on a le sens du timing. Et du coup, viande mystère cuite. Incroyable, hein? Et ah oui! Ah mais c'est vrai! Je m'en rappelle, en fait, on peut faire cuire cette viande mystère plusieurs fois de suite et c'est de plus en plus dur. Vous allez voir. Là, on va refaire cuire la viande mystère qui est déjà cuite. Attention! Non! Mais non, je me suis fail! Oh là 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 là! Bon, bah on obtient de la. Bah de la ragounias. Voilà. Super. Bon, au moins, vous avez vu quand on se fail en cuisine? Bah, ça donne ceci: moins 5 HP. Et bah voilà en fait. Bah on va la jeter, hein. On va la jeter, tant pis, hein. J'ai gâché de la viande. Ah, c'est pas très très bien ça quand même. Votre pizza buitonnier est prête. Eh oui. Peut-être qu'il y a de la pizza dans le jeu, hein. Peut-être, hein. Ou peut-être pas.
Après, ça serait un peu bizarre. Mais bon. Vous verrez bien. Bah, du coup, on va la jeter parce que sinon, si on en consomme, on va perdre 5 PV en fait. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer à aller ici. Oula, attention à cet ennemi. On va aller par là. Ok. Ah, et c'est vrai, du coup, on peut utiliser le lance-pierre. Et regardez-moi ça. Et on peut utiliser plein de cailloux. Incroyable, hein. Putain, c'est vraiment trop bien. Hop, on va faire comme ça. Et est-ce qu'on va pouvoir briser le dernier pot? Et oui, regardez-moi ça. Il y avait plein de sous. Ah, donc ici... Oula, attention à la chauve-souris. Voilà. Ouais, mais il faut arrêter de me dire les contrôles. Est-ce que je pourrais pas... comment dire? Désactiver le message option d'accessibilité. Non. Bon, c'est pas grave. Ouais. Bon, en vrai, ça... Ouais. Ça se désactivera, je pense, au bout d'un moment. Alors là, on va s'accroupir pour activer ce mécanisme. Ah, ah non, mais attendez, je suis bête. On peut le faire avec le lance-pierre. Eh oui. Du coup, on en a activé deux. Ouh là là, on a pris un peu de dégâts. Là, on peut faire ceci. Attendez. Ah, ça se brise au bout de trois coups, en fait. Et voilà, du coup, on peut passer. Là, on va s'accroupir en passant, voilà. Et là, on va descendre. Ah, et on récupère une perle anurie. Ok. Donc, bah, ça va nous servir pour débloquer d'autres emplacements. Allez, toi, passe. Donc là, ouais. Vraiment... Là, on va être en mode exploration du temple. Tranquillement. Ah, mais... Oh là là, je l'ai pas eu au bon moment. Oh, le crapaud. Oh là 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 là. Oh là là. Attendez, attendez. Je commence déjà à avoir du mal. C'est pas bon signe si j'ai du mal dès maintenant. On va prendre nos patates sautées. Alors ici, on peut rien faire. Ah, il faut mettre un bloc ici. Ok. Par contre, je peux pas enlever ces marqueurs là. Ok. Ah, lui, on peut pas le briser. Du coup, on va prendre le pot. Hop, on descend. Et on met le pot ici. Du coup, on peut passer. Et oui. Attention à mes points de vie, hein, n'empêche. Ok. Alors, ici. Oh, attendez. Je vais faire un petit truc. Ah, mais va sur la plateforme. Voilà. Ah, mais on l'a pas brisé. Bon, on a obtenu une petite baie. Ouais, il faut que je me restaure un petit peu, là. Ça va pas. Attendez. On peut utiliser quoi? Ah, la cuisse de crapaud. Ouais, vas-y, go pour la cuisse de crapaud. Voilà, on est à 23 PV, on se sent déjà plus rassuré. Ah ok, du coup, on va mettre ceci ici. Et ensuite, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est vrai qu'on peut utiliser le lance-pierre. Regardez, hop, on peut faire ça pour le faire tomber. Par contre, voilà, on va faire ceci. Une petite baie, ça fait pas de mal. Ouais, on va mettre les baies ici. Voilà. On va en manger un petit peu. Allez, hop, comme ça, on se restaure tout. Donc là, on va reprendre le pot. J'imagine qu'il faut aller en haut avec le pot, hein. Ouais. Ok. Pour le mettre ici, et eh oui. Incroyable. Et du coup... Hop, alors déjà ça, voilà. On le fait tomber. Et il n'y a plus qu'un emplacement à ouvrir.
Alors attendez, hop. Voilà. Ah mais la B elle s'est pas remise ici. Ok. Vu que j'avais plus lu de B. Forcément. Alors. Hop. Eh oui, incroyable. Ça s'est ouvert comme par magie. Et on récupère une autre perle à Anuri du coup. Est-ce qu'il y a un truc à gauche? Oh! Oh, le secret, quoi! J'ai tellement bien fait de venir ici. Il y a tellement de secrets dans le jeu. Salut Anto, comment vas-tu? Comment vas-tu? J'espère que tu vas très très bien. Du coup, là, bah... Petit jeu. Enfin, petit jeu, grand jeu, hein. Mais peu connu. Bah ça va super. Ça va nickel, nickel. Hein. Je suis très content de faire ce jeu. Tout simplement. Donc là, ouais, on va reprendre notre lance-pierre. Voilà. Et on va aller à droite. Voilà, comme ça on va continuer à descendre dans les profondeurs. Attention à la chauve-souris. Hop. Si tu veux, Anto, je t'invite à faire la commande Phénotopia. C'est un jeu d'aventure en gros. Un petit peu à la Zelda. Mais qui s'inspire également de quelques autres jeux. Enfin, qui fait référence. Mais c'est en grande partie. Ça s'inspire de Zelda quoi. Ah, et du coup, on revient ici. Ah oui, en fait, le symbole qui est écrit, ça dit qu'on va monter. Ok, alors ici. Et là, en fait, je me trouve dans un temple, tout simplement. Parce que, apparemment, il y a une météorite à retrouver. Et on va voir tout cela va me mener. Là, vraiment, c'est encore le tout début du jeu. Hein. Alors, par contre. Ouais, il y a un interrupteur à activer ici. Hop. Attendez, comment je vais faire mon compte? Ah oui, mais je peux briser les pots, c'est pas mon but en fait. Ah, attendez, je vais revenir et refaire ça, la fameuse technique. Ah bah attendez, je peux faire ça. Ok, oui, c'est bon. Incroyable. Oh le piège, il y avait un crapaud. Impossible de inventaire plein. Ah, j'ai mon inventaire plein. Bon, attendez, on va manger. Non, on va manger un petit consommable. Ah oui, c'est vraiment très très sympa. Ah bah, je ne mens pas, non mais. Bah après, ça dépend ce qu'on aime aussi, hein, ça c'est sûr. Alors ici, il y a un petit interrupteur. Ok. Ce qu'il faudrait en fait. Oh, attendez, il y avait un lézard. On aurait pu récupérer la fameuse viande. La fameuse viande. Est-ce que là. Ah, je suis trop bas. Attendez, je suis trop bas. Est-ce que si je repars et que je reviens, ça se réinitialise? Ah ouais, même pas. Alors attendez, peut-être que en prenant. En haut et en revenant en bas, ça va se réinitialiser. Ah bah même pas, bon. Bah c'est pas, au pire c'est pas grave. On y reviendra plus tard. Ouais. Pas si grave, c'est pas si grave. On va aller ici. Donc là on a deux perles à Anuri, hein. Donc, vaut mieux en récupérer plein, comme ça on pourra se débloquer d'autres emplacements. Là, donc ici. Oh là, la chauve-souris, on a eu chaud. Et vous avez vu la chauve-souris qui pousse le pot, hein. Oh, c'est pour une jauge d'endurance. Regardez-moi ça. Pour une nouvelle jauge d'endurance. Je dis oui. Je dis 8 même. Ça, c'est une chauve-souris, attention. Voilà. Par contre, comment je fais mon compte ici?
Comment je fais mon compte pour y aller? Peut-être en... Bah, en passant par en haut, peut-être? Ah, je sais pas. Je sais pas du tout pour le coup ici. Comment il faut faire? Attendez, et du coup... Ah, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Regardez ce qu'il faut faire. Regardez, on se met ici et on pousse le pot. On pousse encore le pot et on pousse encore le pot avec notre lance-pierre. Et voilà, on passe comme ça. Il y a tout plein d'énigmes comme ça. Et il y en a. Oh, mais elles sont retors. Mais c'est trop bien. Ok. Vous obtenez une nouvelle énergème. Votre énergie maximum a augmenté. Et du coup, vous voyez, notre jauge d'endurance a encore augmenté un tout petit peu. Mais c'est déjà ça, hein. Parce que mine de rien, pour frapper, pour courir, comme vous le voyez, ça consomme. Enfin, voilà quoi. Allez, continuons du coup. On va aller à droite. Ok. Il y a plusieurs crapauds, encore une fois. Ok, cuisse de crapaud, encore une fois. On pourrait aller en bas. On va aller voir en bas en vrai, un petit peu. Ah, mais on... J'ai l'impression qu'on peut pas y aller. Et la musique qui s'arrête, qui a l'air genre en mode c'est un endroit inquiétant ou mystérieux. On va remonter, hein, ça va être plus rassurant. Parce que moi, je suis du genre à être un petit peu. Bah après c'est le jeu qui font ça très bien. Mais quand il n'y a plus de musique dans un jeu, bah t'es sur tes gardes. Et c'est normal. On va aller ici du coup. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Ok, encore plein de pots. On va les, comment dire? Bah, on va les empiler. Non, on va pas les empiler comme ça. Non, retourne-toi, Gail. Voilà. Ah non, bah c'est pas encore assez. On va reprendre un autre pot du coup. Hop. Voilà, et là on peut sauter. Hop là, toi, petite viande mystère. Ah ouais, mais il faut que je récupère ma viande mystère assez vite. Je crois que ça va disparaître, je suis pas sûr. Attendez, on peut faire ça. Ok, je vais ramasser la viande mystère. En vrai, peut-être qu'on va jeter un petit truc. Fromage, j'ai envie de garder. Les pissenlits, on va les garder. On va les jeter, hein. Ça restaure que 3 PV, ça sert pas grand-chose. Voilà la différence de viewer entre MK et ce jeu. Oui, bon, peu importe en tout. Moi, je m'éclate dans le jeu, je m'en fous totalement, hein. Hop. Et là, on va pouvoir ramasser la viande. C'est normal, vu que MK est mon jeu de prédilection auquel tout le monde me connaît. Mais je m'empêcherai jamais de faire d'autres jeux. Et puis, il y a quand même quelques personnes. Vous êtes quand même quelques personnes, donc bon. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ah ouais. Mon but, c'est de prendre du plaisir sur les jeux que je fais et de vous faire, pourquoi pas, découvrir bah d'autres jeux, quoi. Je voulais pas te casser le mood, juste que ça me fait rire et c'est ça sur tous les streams d'autres streamers et tout. Oui, bien sûr. Ouais, non, je sais bien ton intention, Anto, t'inquiète. Mais ouais. Ça, bah, c'est sûr que quand on nous rattache à un jeu, bah, forcément. La personne vient pour ce jeu et vient pas forcément pour d'autres jeux. Mais bon, c'est pas grave, hein. Donc là, ça nous indique qu'on pourrait remonter. Je vais voir à gauche ce qu'il y a. Est-ce que en fait les pots sont revenus? Bah non, ils sont pas revenus en fait. Bah super. Bon bah c'est pas grave, on. On reviendra plus tard. Parce que ouais, il y avait un interrupteur, mais ouais, j'ai tout brisé.
En fait, je pense qu'il faudrait limite sortir du donjon et y rentrer à nouveau. Oula, oh, le piège. Non, mais ça se fait pas, là. Bon. Attendez. Ouais, on peut pas aller plus loin. On peut pas remonter. Bah, on va aller à droite, écoutez. Hein. Ok. Ah, c'est encore une autre perle anurie. Ah, ok, ça active... Ça active ceci, hop, et on fait ceci. Alors, maintenez ZL, puis pressez B pour courir, puis bondir lorsque vous atterrissez après un bond. Relâchez, puis pressez ZL pour recommencer à courir. Ah oui, ok. Ok. Ouais, ok, il faut être hyper rapide. Donc, on va attendre. Hop. Ah, mais ouais, oh, il faut, faut vraiment être rapide. Ok. On va y arriver. Ah, c'est tout juste. Hein. Ça passe vraiment tout juste. Hein. Waouh, c'était chaud. Et encore une autre perle anurie. Nice. Bah, du coup, je pense qu'on peut revenir. On peut revenir bah, tout en haut. Parce qu'on a ce qu'il faut, tout simplement. Hop. Alors, il fallait que je revienne où du coup? Donc, je suis allé à gauche, à droite également. On va revenir ici. Et voilà, là, on est revenu. Ça, c'est quoi? Ça a l'air bloqué. Ça a l'air fermé en tout cas. Et ça... Ok, oui. Ça, c'est la sauvegarde. Attendez, du coup, je vais regarder quelque chose... Si je... Ouais, si je ressors du donjon et que je re-rentre. J'ai envie de faire l'énigme que j'ai... Bah, que j'ai comment gâché, on va dire. Aïe. Oh là là, mais dégâ... il faut pas que je prenne trop de dégâts, attention. Hein. Ah, voix... Ah, mais non, ça m'aime pas... Ah, mais je suis deg, du coup. Bon, attendez. Ouais, bah, je suis un peu deg, en fait. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Et il y avait quoi derrière tout ça? Ah je sais pas. Bon c'est pas grave en vrai. On y reviendra plus tard. On n'est pas pressé. Ok. Donc là on a nos trois perles à anurie. Donc là. Ah ben, on peut utiliser une perle à Uri ici. Tu peux pas trimballer des pots d'autres rooms. Je crois pas, Graf. Je sais pas si j'avais déjà testé. Mais il me semble pas, hein. Mais tu fais bien de me le demander. Par contre, ma vie, attendez. Je vais manger mes feuilles cuites. Voilà, c'est bon. On va reprendre le lance-pierre. Ici, j'y suis déjà allé, je sais plus. Ah oui, ok. Ouais, parce que il me semble qu'il y avait des pots ici, peut-être. Ouais, il y avait des pots ici, mais... Je vais faire le test. Ouais, tu peux pas. À moins que sur un autre écran, sans passer de porte, tu puisses. Bon, là, malheureusement, il n'y a pas de pots. Ouais. Bah du coup pas de peau, j'ai envie de dire. Bah je pense que ça doit être en quittant une zone ou quelque chose comme ça. C'est pas si grave. Non mais bien suggéré en fait, t'as bien suggéré. T'as bien fait de me... De proposer en vrai. Bon du coup allons dans cette salle. Ça a l'air d'être une salle au trésor, j'ai envie de dire. Avec l'icône qu'on voit. Oh! Ah oui! Ok. C'est pour récupérer de la vie en plus. Ah oui. Alors du coup... Ok, c'est une énigme. Ah! Bah j'ai fait ça first try. J'ai pas fait exprès. Petite herbe de Doki en passant. Eh
Eh ben voilà, vous obtenez un rubis cœur. Et du coup, on est à 38 points de vie. Ça, c'est très sympa. Nice, ça fait plaisir. Ok, continuons du coup. Oh, encore une salle au trésor. Aïe, oh, je l'avais pas vu. Allez, hop. Oh, attendez, je vais peut-être pas briser tous les pots. Hein. Aïe. Ah ouais, j'ai plus d'endurance. Il faut vraiment faire gaffe à notre endurance. Allez, voilà. Attendez. Bah, il doit y avoir quelque chose derrière ce pot, forcément. Eh oui. Ah, mais vas-y, par contre, ça, c'est ultra chiant. Oh, c'est des crapauds de pierre. Oh, attention. Ça ne rigole point. Ouais, on leur fait très très peu de dégâts. Hein. Hop. Je sais pas si on a une... Ouh là là, attention. Attention quand même. Oh, c'est pour une récompense comme ça. Attendez. Vase sélénite. Ah! Ok, vase sélénite. Alors ça... Bah, vous le voyez en bas à droite. C'est un... C'est pas inconsommable, forcément. En fait, c'est un trésor, enfin un objet qui pourra se revendre, voilà. Tout simplement, contrairement aux autres objets qu'on a. On, du coup, comme vous le voyez, on est toujours à 8 sur 8. Faudrait que je mange un petit truc en vrai. Bah, en vrai, je vais... Ouais, je vais peut-être m'équiper de la viande mystère et en manger une petite... Ouh là, j'ai eu chaud. Hop. C'est assez loin à manger, hein. Alors, est-ce que il n'y a pas moyen que je les tue? Attendez. Ah, oh, yes, j'ai réussi. Il fallait charger notre attaque, on a réussi. Ah, par contre, on débloque rien. Ouais, on a quand même une vase. Sélénite, donc... voilà, ça servira plus tard. Des crapauds de pierre, on aura tout vu. Non, mais franchement, le bestiaire, il est assez... Il est assez fourni en vrai. Non, je... J'ai cru que tu parlais dans la vraie vie pour manger. Ah! Ah là là. Mais dans le jeu, on mange beaucoup. Parce que, bah, on peut cuisiner des aliments un petit peu comme dans un certain Zelda, quoi. On va aller là, du coup. On va aller ici. Et là, ouais, enfin, comme vous l'avez vu, on a encore deux perles à Nuri. Et on pourrait les mettre directement, mais on va attendre un petit peu. Et on va continuer du coup. Aïe! Oh là là. Ok. Cuisse de crapaud, on en a 3. On va en manger. Enfin, quoique, non, ça va. En vrai, on est à 30 points de vie, ça va. On est du genre ok là. Attention. Attention, voilà, c'est bon. Ok, ça passe. Aïe, 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 aïe. Il y a encore plein de salles hein, à voir. On va aller à droite. Qu'est-ce que c'est ici? Ok. Ah, attendez. Je pense que si je fais ceci... Ok, c'est bon, on passe comme ça. Par contre, la suite. Hop. Voilà, c'est comme ça. On renclenche ceci. Il y a un petit... Oh, une pierre de lune! Première pierre de lune qu'on a. Alors, les pierres de lune, bah, ça servira à certaines choses. Je sais plus exactement, mais ça servira à certaines choses, quoi. Bah, on a notre écran de quête ici. Alors, attendez, je vais vite fait passer en mode cinématique. Hop, voilà, comme ça, vous voyez bien ce qui se passe. Salut le base, comment vas-tu? Donc là, voilà, nous, on a nos cœurs, nos énergèmes, notre endurance du coup, nos pierres de lune. On en a récupéré un du coup. Ah, et du coup, c'est les rines. Diverses pièces de métal en bronze, en argent et en or. Elles valent respectivement 1 et 3 et 5 unités. Le rine est la pièce de mon... Et la
monnaie officielle de Castella, entre autres régions. Vous possédez actuellement 152 rin. Ok. La tunique ordinaire, la batte de bois. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, du coup, l'inventaire. Donc là, c'est les aliments qu'on a. On peut les trier si besoin pour les regrouper. Et ça, c'est c'est tous les succès. Voilà. Ok, du coup, hop, on va repasser comme ça. Ça va bien, je prépare mon matos pour mon concert ce soir. Nice. Ah bah, tu vas t'éclater, du coup. Tu vas t'éclater. Il va durer combien de temps ton concert? Alors du coup, ici, on va lancer le lance-pierre comme ça. Ok, c'est bon, ça passe, nice. On peut sauter comme ça. Et là, ok, ça passe, ouais. Attends, on va attendre que lui, il passe à gauche parce que il est invincible en fait cet ennemi. Combattons la fraude ensemble. Ah là là, le retour de la fraude. Attention aux petits crapauds. Ouh là 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 là. Ils sont intelligents, hein, ces ennemis, mine de rien. Ah, c'est pas assez apparemment. Attendez. Aïe, il nous a eu. Et en plus, il peut ressurgir du sol, hein. Ouais. Cuisse de crapaud. Mais non, je voulais pas faire ça. Attendez. Mais non, mais je voulais pas tomber dans l'eau. Je voulais sauter, en fait. Je pense pas que je puisse sauter en lançant le lance-pierre. Ouais, je peux pas. Attendez. Le lance-pierre. Fixé avec... Ah oui, c'est vrai qu'on peut arrêter notre... comment? Notre tir. C'est vrai, ça. Attendez, je pense qu'il y a moyen. Ah, il doit y avoir moyen, mais ça se joue à rien. Ah oui! Oh, c'était presque bon. Ok, c'est bon, on a réussi. Ah, mais attendez. Mais tout à l'heure... Oh là là, les ennemis. Les crapauds, ils viennent en nombre. Oh, c'est très dangereux, ça. Oh là 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 là. Attendez, attendez. Voilà, on va passer comme ça. Allez, hop. Une première cuisse de crapaud. Voilà. Ah, nos sous. 'Venez ici. Hop là. Ah, comment il a valdingué, comme on dit. Et là, on rouvre... attendez. Ok, c'est bon. Oh, salut, Starmiz. Ouais, ouais, c'est vraiment trop bien comme jeu. C'est vraiment trop bien. Ici. On va passer comme ça. On va revenir. Comment on fait là? Ah oui, bah, on revient comme ça. Du coup, comme on a récupéré une nouvelle perle à Nuri, on va pouvoir débloquer un autre emplacement. Enfin, on va pouvoir progresser dans le temple, quoi. Là, mais on va faire ça après, du coup, vu qu'on n'a pas encore visité en bas à gauche. On va aller en bas à gauche, du coup. Pauvres chèvres, il faut les laisser tranquilles. C'est une espèce en voie de disparition. Aïe, 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 aïe. Mais... C'est un pot, ça? Attends, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est de ça? Je sais pas. Bon, c'est pas grave, on verra après. Ah, c'est encore pour récupérer notre perle à Nuri. Ok, oh, ça va être plus tendu, là, pour la récupérer, je pense. Ok, j'active ceci.
Et là, je mets un pot ici. Ah bah, au pire, je peux faire ça. Avec le lance-pierre. Bah, ce que je vais faire... Non. Les gros pots, on peut pas les récupérer. On va faire ceci. Voilà. Et là, on active. Et du coup, on peut aller à gauche. Voilà. Et on récupère une autre perle. Anuri, encore une fois. Hein. Par contre... Comment... Qu'est-ce qu'il faut faire avec cet interrupteur? Je comprends pas vraiment. Je vais en profiter pour briser tous les autres pots. Oh, le crapaud, attention. Peut-être qu'il faut tuer tous les ennemis. Ou peut-être qu'il y a encore un interrupteur caché. C'est bizarre. L'ARF, on est des 11 cette saison et hier on a win de plus 64. La voice qui est D7 alors qu'ils avaient leur best lui et pas nous. Ouais, bah ouais. Après, bon. En vrai, j'ai l'impression que plus on descend de division, plus c'est difficile aussi de. D'avoir des niveaux, comment dire, qui correspondent à leur division. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Par contre, comment il faut que je fasse? Peut-être qu'il faut que je jette un pot. Non, je sais pas. Si je vais par là, ça fait rien. Ah, c'est très bizarre cet interrupteur. Parce que c'est un interrupteur. C'est pas la première fois qu'on win une team de ces divs là. On a win plein de teams D8, D9. Ah. Ouais, bah tant mieux. C'est compliqué de faire les seedings envers la D10, D15. Oui, c'est sûr. Ça fait moins le malin niveau quoi? En gym? Hein? En gym, toi qui te foutais de moi sur Zelda 3. Ah, énigme! Oui! Ah ben, non mais... Je l'ai précisé sur Discord, mais ce jeu, il est tellement long. J'y ai passé plus de 50 heures, je l'ai fini à 65% à peu près. Donc voilà quoi. Il est très fourni au niveau contenu, ce jeu. Mais ouais, je comprends pas ici. Ah ta 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 ta. Ça me démange. Pourquoi il y a un autre interrupteur ici? Après, c'est pas impossible qu'il faut revenir plus tard. Tellement long, la vraie question, est-ce que Linkos va réussir à le finir? Mais oui. Mais en vrai, je pense que je vais faire des créneaux de... Comment? De 3-4 heures et avec des sessions avec 2-3 sessions par semaine. Comme ça on avancera bien vite sur le jeu. Et en plus je m'éclate sur le jeu, donc bon. Voilà quoi. Bon, au pire on verra ça plus tard. On va continuer à descendre. Ah mais ici je reconnais. Donc ici ouais je reconnais. Peut-être qu'il faudra une autre arme plus tard. J'en suis pas convaincu, mais peut-être. Ici, je peux pas y aller. Non, je peux pas y aller. Ouais, parce que là, dans une heure, c'est Mario Kart 8 Deluxe. Oui, dans une heure, à peu près. Oui. Ah, soyez pas impatients. Moi, je m'éclate dans le jeu. Profitez aussi d'autres jeux. Non, mais... Allez, du coup, on a nos perles à Nuri. Une première, une deuxième... Et une troisième. Ok. Tout, 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 tout. Oh. Une petite sauvegarde. Je ne sais pas vous, mais... Ça sent peut-être le boss. Oh là 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 là. Attendez, j'ai un petit peu peur.
J'ai un petit peu peur. Je vais déjà m'équiper de tous ces aliments, enfin de tous ces comestibles. Même l'œuf, en vrai, je vais m'en équiper. Et les pommes sautées, c'est bon. Les pissenlits, ouais, je m'étais pas équipé, ok. Parce que à balle, ces temps-ci, je joue qu'à Fall Guys perso. Enfin, pas mal à MK aussi. Ouais, bah, de toute façon, je pense que ces prochaines semaines, ça va être assez varié entre Phenotopia, Mario Kart et un petit peu de Fall Guys en vrai aussi. Linkos qui dit ça alors qu'il a plus de 4000 heures sur MK8D. Putain, mais c'est vrai, et en vrai. En 6 mois, je pense que j'ai peut-être joué 700 heures quand même. Donc c'est quand même beaucoup, mais le truc c'est que je joue qu'en stream. Mais je fais pas mal d'heures en stream, du coup, bah ça augmente vite. Au fait, ce matin j'ai fait une 54. Oh, 469 sur stade, en vrai je peux grave me sub. Mais gros GG à toi, Anto. Gros GG. Bon, attendez, je vais manger les pissenlits. Voilà. On va re-sauvegarder. Je vais m'équiper de ça. Hop. Et on est parti. Attends, mais est-ce que c'est le boss ici? Ok, ouais, c'est le boss. Ok. Ah bah non. En fait, c'est pas le boss. Il y avait juste un blob. Ok, on est parti. Alors. Attention. Aïe, 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 aïe. Alors, je pense pas que je vais réussir du premier coup. Ah, écoutez-moi cette musique là. Ouais, ouais, ouais. Attention. Il fait ses pics là. Ok. Il tire ses petits blobs. Ouais, vous avez vu son nombre de points de vie. On n'est pas prêt de le tuer. Hein. On peut utiliser le lance-pierre un petit peu. Mais ça va être long et ça consomme de. Ah, il m'a fait mal. Ah, c'est vrai qu'il a cette attaque, j'avais oublié. Ok. Ouais. C'est quand il s'apprête à m'attaquer comme ça que... Ok. Je vais m'enfuir d'ici. Oh là là, c'est tendu. Ok. Ah là là. Ok, on va faire ça. Ah, ça va être vraiment tendu, hein, cette histoire. Non! Oh là 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 là. Attendez, on va manger vite. Ah, et en plus, manger, vous avez vu, ça prend un petit peu de temps. Hein. Ok, il jette ses projectiles. Oh non. Ah, je vais pas le first try. Hein. Ah, ça va être dur. Hein. Ça va être très très dur. Ok, on va faire ça. On va le taper un petit peu comme ça. Non! Putain, il nous a eu au pire timing. Oh là 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 là. C'est la merde, c'est la merde. C'est la merde. Vite, on va manger un petit peu. Voilà. On n'est pas trop mal. Oh, attention. Ok. On va reprendre le... Non! Mais c'est trop trop chaud. Vous avez vu, c'est trop chaud. Hein. Les boss, il y a un vrai challenge. Ce jeu est exigeant. Ah, j'ai plus d'endurance. Ok. Aïe aïe aïe. Salut Maxou. Je suis en plein boss là, donc c'est tendu. Ouais, mais je pense pas qu'on va le first try. Ok, allez, on va se mettre ici. Ok, c'est pas mal. On l'a un petit peu affaibli. Oh non. Oh là là, on a plus de vie là. On a plus de vie du tout. Vite. Oh là 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 là. Mon dieu. Ah, et on est mort. Oh là 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 là, mon dieu. Ah, ça va être tendu, hein. Bon. On va... Bah, c'est pas grave, on a le dernier point de sauvegarde. On va mieux s'en sortir. Là, je redécouvrais le boss un petit peu, mais ça va être chaud, hein, vraiment. Tu streams sur Twitch depuis quand d'ailleurs, Linkos? Bah depuis fin novembre 2021. Donc ça fait un peu plus de 6 mois. Ça fait ça fera 7 mois. Bah ça fera 7 mois demain.
Non, ça fera 7 mois après-demain, voilà. Aïe, 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 aïe. Si vous éprouvez des difficultés, rendez-vous dans les options d'accessibilité. Oui, mais non. Je suis un gamer acharné. Bon, du coup, on reprend à notre ancien point de sauvegarde avec les points de vie qu'on avait et tout ce qu'on avait aussi. Allez, on va essayer de mieux rejouer là. Il y a la prédit d'hier encore en cours. Ah, mais j'avais pas vu. Je suis tombé sur Papa Imka sur un tournoi, c'était quelque chose. Ah. Sacré Papa Imka. Ouais, il est gentil, Papa Imka. Et c'est Papa Imka, hein. Il tryhard le jeu. Alors attendez. On va lui faire mal dès le début comme ça. Ok. Ok, c'est pas mal. Et là, on ressaute. Ok, là, on va mieux jouer. Hop, on ressaute. On va mieux jouer. Hop là. Ok, nice. Voilà. Ah, il va faire son attaque là. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est très dur d'anticiper ça. Ok. Ah là, il lance ses blobs. Ah, ok, on va faire ça comme ça. On va tuer les blobs en même temps. Attention à notre endurance, hein, également. Ah, j'avais pas vu qu'il allait faire son attaque. Ah. Bon, au moins je l'ai bien affaibli, hein. Ok, on va faire ça. Ok. Ok. Ouh là là, il a fait son attaque là. Attention. Ok, on lance un petit peu de. Ah, ok. Hop là. Ok, pas mal. Il fait son attaque. Et ok, là, il fait son attaque de pique. Oh là là, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu avec tous les blobs. Ok, on va y arriver, on devrait y arriver. Là, on a plus le pattern, on gère beaucoup mieux. Oh non, 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 vite, on va manger. Vite, 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 vite. Ah, saute! En plus, vous avez vu, ça prend du temps pour manger, hein. Attention. Ok, on est pas mal, on est bien, on est bien. Ok, il vient ici, il va faire son attaque comme ça. Ok, là il va lancer ses blobs. Je vais reprendre un petit peu. Oh non, j'aurais pas dû prendre le lance-pierre. Ok, il saute comme ça. Allez, on est pas trop loin là. On n'est plus trop loin de la fin. Il est presque mort, mais il faut faire très gaffe. Ok. Allez, on y est presque, on y est presque. Je fais attention à mon endurance aussi. Ok. Non! Ok. Allez. Allez, allez, allez! Oui, c'est bon, on l'a eu. C'est bon, on l'a eu. Mon Dieu. Eh ben voilà. Oh non, 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 il faut pas que je meure surtout. Ah, ça va, ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce qu'il a, Papa MK? Il focus tout le monde. Aïe, 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 aïe. Déjà, mis le chemin du VIP, ça passe vite. Ah ouais, en tout, bah, excellent. Bon, ça va. J'ai l'impression ils te font rien, les blobs. Bah, en fait, Starmie, la plupart des ennemis. Il y a certains ennemis en fait quand on leur passe devant, ils nous font rien. C'est seulement quand ils veulent nous attaquer qu'ils nous feront des dégâts quoi.